Et salut tout le monde, on se retrouve ce vendredi, je pense, oui, c'est ça, vendredi, pour la suite des aventures de Ménin dans l'espace. Alors, une nouvelle recherche à faire, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Blindage nanocomponite, forteresse. Elles peuvent contenir des milliers d'occupants, ils sont souvent dotés d'une puissance de feu, réalisant l'excel d'une flotte, ok. Centrale bétarienne, ça peut être pratique ça pour... des missiles quantiques, ça peut être bien aussi ça. Accessoirement. Bah c'est ça. Ensuite. Faut que je développe ma bouffe. Besoin d'être une priorité. Je suis en négatif et du coup je pourrais pas avoir de la croissance si je suis en négatif. C'est parce qu'ici j'ai perdu un gars, ils sont en train de me peupler. Ok, je développe de la bouffe. Ok, ça produira une fois que en cours ça peut arriver. Est-ce que je pourrais pas... On peut pas le déplacer le mec, bon, faut pas le déplacer, voilà comme ça. Hop, travaille un peu de la bouffe, on va faire. Et on va construire ici un truc de nourriture. Qu'est-ce que ça... Et que ça, pour la nourriture? Et pas mieux que ça. Ah, si, mais j'ai ça, mais j'ai besoin d'une administration planétaire que je n'ai pas. Moi je l'ai pas. Vaisseau abri. Ouais, fais une enquête. Améliorer. Administration planétaire, il faut au moins 5 pop. Ah, pour ça. Du coup, bah écoute, en attendant, on va construire la ferme hydroponique de base. Ouais, ouais, vas-y. Bon. Hop. Attendant que ça se développe un peu plus, du coup. Enquête, ok. Et toi, tu fous rien. T'es où? T'es là. Ah ouais, donc ça, c'est les recherches que j'ai avancées grâce à mes récupérations de trucs là. Hop, refait, continue ta reconnaissance du système là-bas, du coup. Où t'étais là, peut-être? Je sais plus maintenant. Bon, c'était plutôt ici, je pense. Voilà, c'est ça. Alors, après. Un satellite Ute a été placé en orbite autour de Cipollan 2 pour commémorer le premier contact entre l'Empire et les Jabars de truc bazar machin. Une civilisation contemporaine. Ce premier contact a eu lieu même, ici même dans le système Cipollan, et s'est accompagné de profondes répercussions à tous les niveaux de la société Ute. Pendant plus d'un million d'années, ils s'étaient battus seuls dans la galaxie, et les Ute ont réagi avec horreur en découvrant que des êtres doués de raison. Les UDS Tidlif ont récupéré des satellites qui doivent maintenant être analysés. Ok. Yout, artefact récupéré 2. 5. Toujours pas de 5, hein, je pense. Non, elle y a presque, elle y a presque. Dès qu'elle est pas 5, elle... Direct, elle va faire les enquêtes, parce que sinon je vais jamais les faire. Risquerait encore de crever de vieillesse. Bon. Ok. Du coup, je suis à zéro en bouffe, c'est pas génial non plus. Mais bon, je sais pas faire mieux pour le moment. On va s'en contenter. Mmh.
Pourquoi c'est robotique moins 40%? Moi j'ai 40% en moins parce que c'est des robots. Alors, rigueur, je vais faire la réimplantation de l'autre côté. Voilà. Coup de 50 quand même. Ah ouais, je savais pas, tiens. Oh, vas-y, de toute façon. Là, ça va revenir. La rigueur, j'ai trop de... Ouais, faire comme ça. Voilà. Hop là. Est-ce qu'il n'est pas urgent que je pourrais mettre là pas une petite ressource qui... Ouais. Et que ce serait limite cela. Voilà plutôt cela. Ou alors carrément des trucs de minerai parce que j'en ai trop. Ouais, je vais faire ça. On produit un peu de bouffe parce que j'en ai bien besoin. Voilà. Hop. Bâtiment inactif, oui, je suis au courant. Du coup. Ici, ça fait quoi? Peut-être construire du coup un truc. Et quoi? Bah une mine en fait, parce que de toute façon j'ai mis ça là, donc autant profiter. On va sauver ici, il faut rien. Toujours 4. Plus avec que dalle, super. Moins de reconnaissance de ce système là. Du coup. Ok, rien d'intéressant. Bon, voilà alors, hop. L'habitabilité doit être au moins de 20% pour l'espèce colonisatrice. Quelle celle-là? Dommage parce que ça n'est pas dégueulasse en soi. Je trouve un moyen d'améliorer le climat. On va toujours envoyer ma flotte au niveau de Solungrim.
régénérera plus vite là-bas. Fais-moi une enquête, Voilà. Un peu de bol passe un niveau 5 avec ça. Niveau de la construction des vaisseaux, est-ce que je peux faire quelque chose de bien avec ce que j'ai appris récemment? Cosa. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bug là, je sais pas c'est quoi. Corvette, destroyer, croiseur, light carrier, de battle cruiser, yeah. Que je fais de mieux? Au moment c'est ça. Là je peux faire. Je fais de mieux de mieux. Précisément les armes, les fonctionnalités. Du coup, système de radar embarqué. Ok, pam pam pam, propulseur chimique, pas mieux. Est-ce que j'ai de mieux? J'ai de mieux aussi. Yo, Mungalt. Sauvegarder. Mais ça coûte pour faire un Yermungand. Ah, il me faut un spatioport niveau 5, si. Je peux faire d'ailleurs, voilà. Et je vois que je peux encore ajouter un truc. Académie de la flotte, cadence de tir, chance de toucher, ciblage plus 3, c'est pas dégueulasse. Je vais faire une académie de la flotte, voilà. Alors, j'ai une nouvelle recherche à faire. Panneau solaire, ça peut être bien. Hop, go. Voilà, j'ai enfin un scientifique niveau 5. Qui est... Ah, c'est la grosse étoile, ok. Avant de finir ce qu'elle fait là, dès qu'elle a fini, je l'enverrai sur les trucs, du coup. Toi. T'es où, là? T'es là-bas, ok. Ça c'est fait. Bon. Pas génial, hein, la zone, j'en crois, là. Qu'est-ce que c'est que ça, flotte neutre, nu alien? Et un nouveau truc, du coup. Enquête, vas-y, boum. Des circonstances abondantes de l'objet télé nous contraignent à vous proposer cet accord commercial avantageux. Ah, je vous présente des situations de notre avéré, né, bazar machin. Alors, les circonstances, hein, carte des étoiles, bon, acceptons là. Machin dessus. Crec Oli Confederacy, ok, c'est ce que je viens de découvrir.
Ma flotte, elle est là. Elle est où, ma planète? Hop. Nouvelle recherche. Oui, on va faire ça. Une flotte hostile ou ça? Tout près de chez moi. Là où je suis en plus. Hop. Go. United Imari Hegemony. N'est pas. La guerre. Ah, il s'enfuit. Il fallait porter disparu. D'accord, ils se sont enfouis. D'accord. Pas fini toi là-bas, abruti-toi un peu. Voilà, ensuite. Je suis quand même assez tranquille moi dans mon coin, mine de rien. De Joss. En réparation, d'accord. Ça demande 7 vaches. Pas de la merde. Alors, j'ai développé tout ça ici. Faudrait peut-être que je pense à un autre truc du coup. Peut-être simplement toujours expansion peut-être. System survey complete. Hésitant de prospérité. Ou expansion. Je prends l'expansion. Ouais, voici. Voilà.
Oh, mon leader est décédé. Ouh. Ils ont pas marre là. Ok, recherche complete. Permet de blâmer, ça peut être pratique aussi ça, on va le faire. Turbivam bazar machin. Ok, on va le faire. Alors toi, maintenant. On va aller chercher des trucs qu'il faut. C'est où? C'est là. Nous n'avons aucun moyen d'atteindre ce projet, pourquoi? Quand même un niveau 5 là. Oui, il me dit que je peux pas. Un scientifique sur place, compétence scientifique au moins 5. Oui. Ah, je dois peut-être juste l'envoyer en orbite d'abord. Envoyer. What the... Pourquoi je veux pas se déplacer? Ah, je sais. Parce que j'ai un truc, sûrement un truc hostile. De façon pirate. Du coup, je vais prendre un autre. Oui, deux secondes, ça va trop vite là. On va prendre un autre alors. Ah, voilà, du coup. Là, tu peux aller. Voilà. Nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système, blabla, ok. Ah, c'est à cause de ça, on va les péter. Alors, ici, par contre, j'ai de quoi faire des recherches. Alors, blindage, vitesse de conduction des bâtiments, ouais. Missile S1, pulseur ionique, puis blindé, On va faire ça. Premier contact avec Ada Deshi, sa quête conclave, notre... entre Général Bazar vous adresse votre salutation. Nous sommes les guides spirituels de la Adeshi Bazar et notre objectif est de mener la grande civilisation dans la voie du salut. Vous ne vous mettez pas dans le chemin. Comme t'es l'air, toi. Alors, blindage de défense rapproché, labo de physique, énergie vision froide, capacité de stockage d'énergie. Solidité des planifications, ok. Rôle de combat avancé. Je sais pas trop, ça peut être quoi. Allez hop. Nous ne vous avons autorisé à parcourir notre espace que trop longtemps. Aujourd'hui, c'est fini. Ok. Fermeture des frontières, ok. Position de pacte de l'agression, ce... J'ai absolument rien contre les gens pour le moment, donc ok.
Ah, je suis passé à 2K en un coup. Du fait, nous avons dépassé notre capacité navale, le coût d'entretien d'un vaisseau militaire est accru de 7%, d'accord. On va exploser cette saloperie de, d'avant-poste. Voilà. Je peux pas, c'est pas dans ma zone. Ah non, c'est pas dans ma zone, d'accord. Mais c'est pas grave, je me suis déjà occupé de ça. C'est déjà une bonne chose. Je vais retourner à la station. Ah ouais, bon, il y a mon battle cruiser, l'argent en fait l'armée. C'est pour ça. Ils sont là, d'accord. C'est ça qu'ils ont fermé leurs frontières, d'accord. Il y a des voisins au-dessus. Ils ont pas l'air d'être très sympatoches. Bon, moi, c'est vers qui on va se tourner si on doit se montrer hostile envers quelqu'un. Ce sera cela. Où ça flotte aussi encore? C'est bon. Ah, go, XM. Hein. Ah, potentiellement une planète ici. On va jeter un œil. Petite planète, dommage. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Canon électromagnétique. Centrale bétarienne, c'est quoi ça? Consomme des pierres bétariennes pour produire des grandes quantités d'énergie énergétique. Produit 10. Oula. Cool. Moi ça. Programme d'élevage d'amibes. Ok. Ah, par contre ça c'est bien. Là, j'en ai besoin. Hop. Ici, c'en est où d'ailleurs? Construire un spatioport. Le module initial de spatioport est nécessaire. Ah. Module de défense par projectile, module de défense par missile. Nul. Vas-y, construis le spatioport. Ah, je peux l'améliorer, voilà. Permettre de construire un truc comme ça, par exemple. Voilà. On va me casser les pieds, les trucs là, le vaisseau. Je pense qu'on
on va leur tomber dessus là. Ah, ils sont encore barrés. Juste au moment où j'arrive. Ouf. Pause. Bon, ah. Des pads sur eux. Pas bien loin. L'étude de l'habitat yacht découvert sur l'astéroïde 88D212 a révélé qu'il s'agissait autrefois de la demeure de la philosophe ermite Yalki, un personnage célèbre dans la culture yacht, mentionné dans de nombreuses sources. Les restes de Yalki ont été retrouvés dans le sas principal de l'habitation. Ah, ok. Ça c'est fait, donc suivant. Allez, là maintenant. Voilà. On va être engagé. Parfait. On va être vite réglé. Partez le vaisseau. Boum, boum, boum. Portée de tir quand même assez impressionnante hein, par rapport aux adversaires en général. Bim. Il n'y a pas de débris armé ce coup-ci. Ça arrive. Je pose. Hop. Peut-être que j'en ai par contre. Non, même pas. T'es où toi? Non, c'est toi que je cherche. Hop. Marquez a trouvé un truc. Ok, voilà maintenant. Tiens, tiens, va plutôt là. J'avais dit quoi moi? Je sais plus maintenant. Ok, nous avons rencontré des vaisseaux. Ok, nouvelle recherche. Nouveau pose. Casse les pieds. Unification, influence mensuelle, émission de propagande. Ok, coût des recherches. Décret, production de ressources des esclaves plus 5, expérience de la vie, personnalité plus 10 ans, ça, ça peut être bien. Ah, je vais faire plutôt ça, tiens. Permettra d'avoir des possibilités de colonies différentes, parce que là, je passe à 20% d'habitabilité, après, je pourrais faire des terraformations, je pense. Si je ne me trompe pas. Capacité de stockage des minéraux, ok. Destruction des bâtiments, propulseur ionique, missile maraudeur, en 5. On va commencer. On va faire des trucs un peu plus basiques. Où ça, la flotte hostile? Elle est là-bas. D'accord. Ça fait un peu loin, là. Donc j'arrive. Ou plus là, je pense. On peut acheter un nez quand même. Sans jamais. Au niveau de... Pour mettre play. Ouh, je suis déjà à 35 minutes de vidéo. Bah, on va continuer du coup la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. On se retrouve donc lundi pour la suite des aventures de Bena dans l'espace. Ciao.